Chapitre 9. Elie Lescaut, 30e président d'Haïti. Avant l'oubli, c'est titre un livre que Elie Lescaut publié. Dans le livre, ça, Lescaut écrit que le naissance Saint-Louis du Nord le 9 décembre 1883. L'Ital l'école au Cap, côté il fait études primaires et études secondaires. En 1902, il port Paul Prince à l'étudier pour le pharmacien. En 1905, L'étape travaille comme interprète dans la douane Port de Paix. En 1907, il marié avec une dame qui est réelle Corinne Jean-Pierre. Dame, ça a été mouru quatre ans après, en 1911. Le 2 août 1913, l'ESCO marié avec une autre dame qui est Georgina Saint-Aude. De 1915 à 1917, l'ESCO est directeur l'école secondaire Port de Paix. En 1917, il a nommé l'ESCO commissaire gouvernement tribunal civil Port de Paix. En 1919, il nommait le consul d'Haïti dans Antiville, Cuba. En 1922, avec Madame Lié-Saint-Timoun, l'ESCO quittait Haïti et au vive à Paris, en France. L'ESCO retournait en Haïti en 1926. En 1926, il était juge tribunal premier instant de porte de paix. En, en janvier 1930, Borno nommait le secrétaire d'État, Instruction publique, agriculture et travail. En mai 1930, Borno nomme le juge d'instruction, tribunal, pas au prince. Borno tombe, l'Esco sans problème repédalé avec Vincent qui nomme le juge tribunal cassation, commissaire tribunal cassation. Il y a une grosse question nous avons posée, nous la connier. Comment se fait-il que l'Esco ait pu occuper toute positions position dans la justice, sans que par aucun côté, aucun document qui fait recueillir l'Esco ait étudié droit ou bien il était avocat en 1932, Vincent nommait l'ESCO ministre de l'Intérieur. Et le 22 mars 1934, avant que le parti à le voyage officiel, au moins, aux États-Unis, Vincent t'aimait l'ESCO à la tête toute minutieux. Qui donc, c'est l'ESCO qui tape diriger PIA. Et pendant tout temps ça, que Vincent pâte là. L'ESCO a profité de belle occasion ça, pour te faire un discours devant Statut Toussaint l'Ouverture, qui tout sonne masse devant palais Disko sa te fewe kleman ke leskot ap travay pou lvin prezidant d'Haïti. Lucien Ibert, minis de finanso Vincent, te prezante la chanm yon deman pou permette gouvenman koupe 10% sou aprentman tout emploi elita de fason pou yo rive balanse budje ane fiskal 1934-1935. Depute du Marseille stime ki te gonza fe personel avek Lucien Ibert, te kampe an kwa kont proje sa ap Et la Chambre t'a voté non. Ça t'est représenté pour tout cabinet ministériel-là, un vote de blâme. Vincent, après ça, t'es mandé ministre pour tout bailler des missions. Des missions en bloc, ça vient ranger les affaires de l'ESCO, qui l'a même passé de ministre de l'Intérieur à ministre d'Haïti à Ciudad Trujillo. Vincent, sans que le patron ne compte, c'est lui-même qui peut le permettre, l'ESCO vient de président d'Haïti. Zamitaï Trujillo avec l'ESCO, t'es commencé depuis l'ESCO. Forcé Vincent refouler quelques exilés dominicains Jacques Mel avec Okaï. Zamita et la Pifo, les après rencontre deux chefs d'État, de au Wanamet et Dabon, da Vincent en 1935, mettait Lesco à la tête d'une commission pour régler les affaires frontières entre deux pays. Yo. Avec nomination Lesco comme ministre en Dominicani, qu'on y entre Lesco et Tourio, c'est pral ça net. En mars 1937, Vincent déplaçait l'esco et nommait le ministre d'Haïti, Washington. Là pour là, l'esco rentrait dans un avec Somner Wells, un gros autobré dans le gouvernement américain. Zamitaï, ça a été te tellement serré que le 11 janvier 1941, Sumner Wells voyait un mémo par le président Roosevelt pour présenter l'esco comme un bon ami des États-Unis et le faire comprendre que si l'esco vient président d'Haïti, Nou kap kontè sou li, el pral kolaborè avèk les Etats-Unis net alè. Antre tan, Trouillot ap fè manèv pou l'fè Lescaux rive prezident d'Haïti. Gouvernement haïtien te voye baye Lescaux yon gros som l'ajan pou l'achete os Etats-Unis 3000 fuzi pou la gade d'Haïti. Apre un an, kom Lescaux pat voye fuzi yo, Sidney de la rue, yon blan amérikèn ki te la pou kontrole finance peyi d'Haïti, T'es voué demander l'esco pour retourner toute l'argent. L'esco qui était dépensé pifo dans comme ça, courit téléphoner à tout et mandel pour porter le concours. Tout là-même, passé Andrés Pastorissa, qui était ministre dominicain Washington, instruction pour le bail, l'esco et un chèque. Au lieu que l'esco dans la banque fait un transfert ou bien fait un autre chèque, lit tout médecin à dans deux chèques, ministre dominicain, et voyez le ça en Haïti, bail de la rue. Un mois après, le 20 septembre 1940, Lescaut veut en belle lettre by le cultérer les chefs pour remercier les de ce qu'ils sauvé dans une situation qui était très dangereuse pour l'avenir politique. Finalement, en 1940, nous joignons Elie Lescaut comme sénateur de la République. Chapitre 10. Administration Lesco. Lesco montait au pouvoir le 15 mai 1941. C'est un président d'Haïti qui était chargé avec expérience politique. L'elle était monté au pouvoir. Une semaine après, le 22 mai, l'Ikouri a rencontré tout Rio sous frontière dans la zone boilias Pignas et Belader. À cause de toute belle position que l'elle était sous Borno et Vincent, ministre, juge, ambassadeur, Députés, sénateurs, l'ESCOT est monté au pouvoir chargé avec expérience politique. À la papote, l'ESCOT déclarait que le programme politique est simple. Premièrement, l'ESCOT maintenu la paix. Deuxièmement, l'ESCOT maintenu l'ordre. Troisièmement, l'ESCOT a créer travail. Et quatrièmement, l'ESCOT a réalisé un programme de justice sociale largement large. Au fond, l'ESCOT a un plan secret qui n'a pas de aucun rapport avec la déclaration officielle que l'Escot a fait un bel discours. Plan ça, premièrement, c'est faire la garde d'Haïti était fidèle à lui-même. Deuxièmement, dominer la chambre. Troisièmement, faire Haïti bénéficier pour façon que le poil campait à côté des États-Unis. Quatrièmement, gouverner Haïti avec une main de fer. Et cinquièmement, qu'un bête tout le monde noir dans le campé loin. Favorisé et by gros avantage seulement à blanc, mulat et griffes. Le 6 juin 1941, trois semaines seulement après qu'il était monté au pouvoir, l'escot organisait organisé par au point son gros parade militaire. Côté déclaré lique commandant en chef garde d'Haïti. La même, il prend décret et il mettait garde présidentielle ensemble avec la police directement sous contrôle. L'escot est censé tout pouvoir militaire en elle. et tout gochabrak etamajor la mea, te la tan kon ban tipo petwel. A patir de fevriye 1942, lesko te pousse sa ankon pi loin, lel te etabli tribunal militer nan tout 5 depatman peyi ya pou juje tout moun ki komet krim e deli. Konsa, tribunal militer yo te remplase tribunal sivil. Fok nou kone ke nan, eta, nan epok sa, peyi ya te gen solman 5 depatman Le nord, le nord-ouest, la Tibonite, l'ouest et le sud. pays à le temps jusque sous François Duvalier pour le diviser en neuf départements géographiques. Il y a une façon pour consolider le consolider pour voir, l'ESCOT a décidé de remplacer toute préféré par délégué. Et le nommé un délégué pour chaque six villes saillot au Cap, Port de Paix, Gonaïve, Jacmel, Okaï et Jérémy. Toutes six délégués étaient sous contrôle contre de Gontran Ouzier, qui était ministre de l'Intérieur. Le 8 décembre 1941, après un escadron d'avions japonais et une bombe à des quelques bateaux de guerre américains en Harbor, dans la zone de bord Hawaï, dans l'océan Pacifique, l'ESCO a le Japon la guerre. Quatre jours après, le 12 décembre 1941, l'ESCO a l'Allemagne, ensemble avec toute l'Italie, la guerre. Et il a fait, fait main. Dans fort national, un pile allemand avec un pile italien qui tape vivre dans le pays. Le 24 décembre 1941, Lesco déclarait la Hongrie, la Bulgarie et la Roumanie la guerre. Qui fait dans 16 jours, président Elie Lesco a déclaré en total de 6 pays la guerre. À partir de 7 janvier 1942, comme sous-marin allemand ont commencé à couler quelques bateaux marchands dans, dans la zone Haïti, Lesco a tout profité pour le fait d'appuyer sous-bien totalement avec Italien qui était en prison Fort National. il t'est offrit pour le mettre à disposition des États-Unis 20 000 soldats et 50 000 travailleurs agricoles, si au cas les États-Unis t'avaient Le 15 janvier 1942, la Chambre votée et lesco, plein pouvoir pour tout temps. Deuxième guerre mondiale a duré mois. Après... Puisque l'ESCO dégain plein pouvoir, il te suspend la Constitution et il te passé la garde d'Haïti l'ordre pour arrêter, juger, condamner et exécuter tout le monde qui avait fait sabotage ou bien mettre du feu. Après ça, l'ESCO fait un voyage aux États-Unis. Il a l'ouvrir pour lui une ligne de crédit de 2 millions de dollars pour le cap de goudla Il te balle 5 petits bateaux de guerre pour le tevin l'ouvre marine haïtienne dans bisoton ensemble avec six avions de glace. Avions étaient avion anciens. C'est pour ça qu'ils n'ont pas duré. Mais quand même, ils ont permis de formation dans un corps d'aviation. Et les États-Unis ont dépêché 50 officiers pour venir montrer aux militaires haïtiens comment ils pilotaient l'avion. L'escorte a tellement voulu collaborer avec les Américains qu'elle t'a offert les États-Unis pour au point Haïti et mettre le gouverneur pendant tout le temps que la Deuxième Guerre mondiale a duré. En octobre 1943, Lesco t'a fait l'autre voyage aux États-Unis. Côté fois ça, le président Roosevelt te recevra à la, la Maison-Blanche. Il t'a à Lesco, que les États-Unis, ont un projet pour développer caoutchouc, pour pomper 40 millions de dollars en Haïti. Quand le gouvernement américain t'a choisi pour développer le programme ça, la Société haïtiano-américaine de développement agricole, ou bien tout simplement, Chada. Chada c'est un peu de gros que le pays d'Haïti te passé. Blanc, c'est vini des gros tracteur Ils ont rasé tout ça au juin sur une affaire de 133 400 hectares Ça a représenté 21,55%, presque y'on ka, toute bonne terre qui te conservée dans le pays pour faire agriculture ou bien faire jardin. Ils ont rasé Cailly, ils ont rasé yo rase plantasyon kafe, kakao, banan, yo koupe pie mango, pie noa, pie zaboka, pile lam veritab, pou yo plante pit pou fe kod e kripstotejia ke pe platere le kon kabrit pou fe kaoutchou. An 1944, apre selman en an, Chada te fe fayit nan zon bo Oboi, Baye, nan an, no, kote yo te fe gro plantasyon kon kabrit, yo te reisi fe selman 5 ton kaoutchou Après Chada Alé, plusieurs côtés dans le pays étaient mon vaste savane, toutes été écrasées, toutes bonnes et déchouquées. En pile, dans le pays, il y a pas de même qu'à montrer un placement côté Théio, ensemble à taille. Les Sahas, les Skoulis même, habillés en militaire avec Képi ou chapli bien raide sur sous tête, ils fait un bel discours pour dire que, en qualité de commandant en chef des forces de l'air, de mer et de terre, Chada, c'est ton façon pour Haïti aider notre grand et puissant voisin du Nord, que sont les États-Unis. Puisque dans ça, toute industrie en Europe et aux États-Unis est tombé d'armes âme avec matériel pour la guerre, T'es viens gagner tes produits de première nécessité. Puis produit en coup savon, l'huile cuisine, pièces de rechange, caoutchouc pour automobile, camion, bicyclette, motocyclette, tout tes monté tête nègre. Quel gros commerçant n'a pas de prince profité de situation ça pour aussi serrer quelques produits et tomber fait machine noire. L'esco qui t'est énervé de ce que situation machine noire ça a, t'as qu'à gros problème, te dit si au cas les alliés pas cap' fini avec ça, la un ciel d'avion elle bombardé Berlin. Personne pas cap' comprendre sans déclaration ça, parce qu'à l'époque, Aviation haïtienne dégaine seulement 6 avions Douglas en mauvais état et puis loin avions sauté c'est San Juan Porto Rico. C'est quelques temps après ça, gouvernement haïtien pour le monter la compagnie haïtienne de transport aérien qui veut dire Coata qui dégaine deux ou trois avions à hélice qui te compte qui te porte au Prince 2 ou 3 fois par semaine pour al déposer ou bien al prendre passager Port-de-Paix au cap Jacques Mel, Jérémy avec Okaï. C'est aviateur, l'armée d'Haïti, qui déconne piloter avion sa Chapitre 11. Mouvement rejeté. Sous les scopes a de fait bon carnaval courir dans la rue. Les scouts ça. Ça fait bonne rara, ça fait dans sa cérémonie vous d'oublier ça. Dans l'année 1941-1942, as gagné un gros événement qui t'est passé en Haïti. le mouvement rejeté. Les sco qui un bon catholique, as toujours gagné un en ou bien un rosé que l'a brûlé. C'est comme ça les sco l'église catholique autorisation pour lancer mouvement rejeté. Pendant ville, Cependant, des français à quelques pères haïtiens qui étaient dans la commune en éreur qu'on fait gros procession avec la croix devant bannière déployée largement l'âge de vin, bah, âge âge. Deux enfants de cœur habillés tout en rouge Un enfant de cœur à balancer yon encensoir tout limet qui d'ab dégager la fille pour chasser mauvais air ont l'autre enfant de cœur avec un goupillon plein de l'eau pour mon père faire aspersion et vouer de l'eau bénie mon père lui-même habillé avec une grand robe noire charrue blanche li souli. yon ti bon net toal noa, byen chita sou tet li, e breviel nanmel, te rale deyel, yon la triye fidel. E apre chak dizen chaplet, fidel yo tap voye monte, yon chante, ki te gen kom refren, Marche avek nou, sen Michel Akanj, ou te bat demon ak tout mouvezanj, gran mesi bondye nou tout rejetek, pou nou sevi ou san melanj. Kaporal sou distrik, kek solda, chef seksyon, yo tout bien ame ak fizi, Ansem ak kek sou ket la ouze ak gwo koko makak, te ansek le posesyon pou baye sekirite. La posesyon sa yo pafwa te kon mache plusieurs kilometre pou yal kraze, pye, brule tout un fo ki genyen an bouk ansem ak nan seksyon rural. Se pa de abu ki te komet, sa te pitris, se pa de pet gwo trezor ke peyi da iti te fe. Yo te kraze, brize, an pil ti statu an wosh ke indyen yo te fe. En pile poupée, en porcelaine de limoges, en pile vert en cristal de Baccarat, en pile pot, en pile terrine, en pile bassinette, qui était pour colon français et qui était conservé pour faire cérémonie. Cependant, pas étonné, le roi apprenne que dit jodhier ou Cap jeune en pile dans trésor exposé dans quelques gros musées en Amérique et en Europe. Pour baye mouvement rejeté à Jared, c'était un père blanc qui était le père Froisset, qui était professeur dans un petit séminaire Collège saint -Sé pour port au prince Père Sahat, qu'on sous prêche et écrit dans journal pour salamber salambe religion vaudoua. L'idée qu'on dit que vaudoua c'est une bonne pratique superstition, qui donc, pour père vos vaudoua sont religion satan. Là même, il y ethnologue et communiste haïtien qui était le Roumain, qui monté sous plumelie. Il était publié dans le journal Le Nouveliste, une série hatique, pour faire comprendre que vos doigts ces religion-peuple-là. Et c'est une bonne religion que l'Ier. Si vous voulez changer religion-peuple-là, ce n'est pas pour poursuivre les, ni critiquer. Les. Ça, nous besoin en Haïti. c'est pas une campagne contre superstition, mais plutôt une campagne contre la misère, une campagne contre l'ignorance. C'est tout intellectuel dans le pays qui tape suivre dans le journal, groupe polémique qui tape fait entre Père Foissé et Jacques Roumen. Après que père te fini de craser un pile, un fort, qui en dehors, en s'en la section rurale, il est arrivé pour aller déchouquer un fort qui n'en ville. Yon yo matin, dans la chapelle d'Elma, dans Port-au-Prince, alors qu'il était en possession te pour al déraper, pour déchouquer déchouquer un fort dans Port-au-Prince, la mère s'arrête et l'ouvre les sous tout le monde. Pas de gain mort, cependant, ni mon père ni sacristain, ni enfant de coeur, ni fidèle, tout point rac et toute camarade boisé. C'est ça que mettre mettait point final dans un mouvement rejeté. Le 8 décembre 1942, comme fermeture au mouvement rejeté, gros la possession, sans ma gros cérémonie, était faite dans l'église catholique dans tout pays pour consacrer Haïti à Notre-Dame du Perpétuel Secours. À cause crasse et brise, et tout gros de gars qui te fait dans les affaires de l'Esco, l'Esco a la guette toute responsabilité sous le pays. même, blâme l'Esco, ça que la cause de l'Esco avec le t'es dos à dos. Et l'Esco même t'es tellement mauvais que a, a décidé de couper influence père français en Haïti. C'est comme ça, deux mois après, en février 1943, l'Esco fait Louis Collignon, un père américain, de la Congrégation des Oblats Marie Immaculée, vint monseigneur Okaï, en dépit opposition à chevec port au le monseigneur Légoise, ensemble avec tous nos apostoliques-là qui sont italiens. Même année 1943, l'esco invité paix Congrégation Sainte-Croix au Canada vint bâtir un collège-port de paix. Les Canadiens été rentrés au Cap en visite. Les Sars vint trouver le plus commode pour y acheter le collège Notre-Dame du Perpétuel Secours au lieu que y a le bâti un collège pour de paix. C'est ça que peut le permet. Quelques temps après, Père cousins, un Canadien, viennent au Cap comme évêque coadjuteur. C'est à partir de l'année la 1943 que les oblats Marie Immaculée et les religieux de la congrégation Sainte-Croix pour commencer l'Haïti Corio en Haïti. Jean-Santa Pati là, s'il laisse côté passer plus de temps au pouvoir, L'éclair clair que le tap finit par réduire et même craser l'influence clergé française en Haïti. Chapitre 12. Finissement gouvernement Lesco. À partir de l'année 1943, Lesco est tombé en pile l'arrestation parce que l'opposition a commencé à monter contre lui. Le 19 avril 1944, la Chambre votant l'autre constitution qui déclarait, premièrement, pas tout toute dans la guerre, pas fini. Deuxièmement, changer mandat président et permettre l'ESCO rester au pouvoir jusqu'en 1951. Et troisièmement, la Chambre a ratifié toutes actes que l'ESCO posait. En juin 1945, délégation de plusieurs pays était à San Francisco aux États-Unis, pour remonter l'Organisation des Nations Unies, qui veut dire l'ONU. Dans la première séance, toute la délégation, yo est jouée sous bureau, yon paquet qui photos, les lettres a photo toutes toute lettre que l'ESCO a écrite depuis 1937. Presque même l'heure, tout a fait distribué en Haïti, copie une lettre que l'ESCO a écrite, quand elle a déclaré tout l'argent que a fait pour l'ESCO, elle a reproché l'ESCO de ce y a un gras pour tout ça, l a fait pour lui. Rapidement, copie lettre ça, elle a dans tout le pays. An mè 1945, gouvenman fè fè moun ti jounal etidyan k te rele zinglen. La mèm, yon goub joun entelektuel kit a gauche, te deside monte yon ti jounal ke rele la ruche. Avan ke lanse jounal sa, yo te telman monte kont lesko, ke yo te vlal ten lesko rou la mar, kote vwa tül pase chak maten, lèl pral nan pale, e fè yon vasouli. Numéro 1 er janvier 1946 du journal La Russa a tombé dans le pouvoir au prince tant couillon bombe. Du journal La Salle 1946 comme l'année qui pourra le porter la victoire et la démocratie pourra le blahi, il pourra le triompher contre toute fasciste et toute oppression. Journal l'a dit que on le changer non tout mois qui dans l'année. Moi janvier pourra le moi liberté, mois février pourra le vienne moi unité et moi mars pourra le moi résistance. Le lendemain matin bien bonheur il a arrêté Théodore Becker, qui était directeur journal, là, ensemble avec René Depestre, qui était rédacteur en chef. Là même, le reste équipe journal la a passé à l'action et a décidé de lancer une hôte de grève pour toute l'école port au Prince. Les gouvernements apprennent ça. Ils courent la Guéna à souhait 5 janvier. Théodore Becker, ensemble avec toute René Depestre. Même soir, toute l'équipe journal -là, la a réuni et a décidé de monter un comité national de grève. Il ne fait pas faire grève dans Port-au-Prince seulement. Non! il ne pouvez pas lancer une de grève dans tout le pays pour déboulonné l'ESCO. Deux jours après, le 7 janvier 1946, étudiants école de médecine d'abord. Après ça, étudiants toute l'autre faculté. Et finalement, c'est toute l'école dans Port-au-Prince qui était fait main. Élève avec étudiants te prennent la rue et au t'apprenez à bas l'ESCO, vive la révolution. Le lendemain, 8 janvier, tout magasin fait main. Emploi l'État, professeur l'école. C'est tout pays y a qui est en grève. Le 9 janvier, toute porte-au-prince campé pour faire volontairement grand pour un jeune garçon bel air qui tirait les André-Jean que la police assassinait. Il y plus mort si la police était d'ouvrir les âmes sous manifestants. Il était seulement marché sous foule là, fait quelques arrestations et voyez quelques coups de bâton. Le 10 janvier, toute ministre remet des missions. Les SCO essayaient avec Émile Saint-Lô, un leader noir, monter un nouveau cabinet. Tout le monde s'est le contacté, tout est refusé. Les Scouts montent la radio pour dire que la priorité n'en parlait à quand même. Et dernier avertissement que le bail la prend des mesures très sévères pour rétablir l'ordre. La nation est prévenue, le monde entier est averti. Le 11 janvier, grand matin, un agronome haïtien qui tirait les louis de joie joies, tal offrit à M. Journal quest un caisse-révolver, et essayé de faire comprendre que révolution parfaite sans âme comme c'est un bon jeune garçon, sans expérience politique, un bon apprenti révolutionnaire, il été refusé. C'est bien longtemps après, il a vu comprendre que si il a un et distribué le peuple, il a été capturé par les gens. Même jour, en janvier, il un groupe de politiciens envahi M. Journal La yon, et invité pour ensemble former un comité de salut public. Il a été mis en gros discussion quand le Front National tire trois coups de canon. Colonel Frank Lavaux monté radio, il déclarait que la garde d'Haïti prend pouvoir, il fait président Desco prisonnier dans Manoir des Lauriers. il a monté un comité exécutif militaire de trois membres qui un Colonel Frank Laveau, Major Antoine Levelt et Major Paul Magloire et que bien vite il pourra faire élection. Le 13 janvier 1946, après cinq jours que les 5 glorieuses, ils ont embarqué Lesco à bord d'un avion Pan Américain à destination Miami. Là les avec toute la famille, prend train et va en exil au Canada. Les tu arrives à Montréal, c'est Péridum Torisio qui est recevé au et au -e Bahio-Asile. En Haïti, tu ont couru et fait porter les Scouts en chien. Tu les Jol des gars et tout, pas tout, pour faire connaître que les te volent pile l'argent. Ce n'est pas vrai. En exil au Canada, ça a fait les pas de bon du tout. Pendant que les est étaient président, ils étaient refusés de rester dans l'air Parce que le ne voulaient pas président. C'est le compte la ils c'est peut-être ça, en décembre 1941, sept mois seulement après qu'il était pris le pouvoir, il e casquait e 80 000 dollars et l'achetait bourdon dans un main blanc américain qui était directeur ASCO, Manoir Delaurier, il y a plus belle de au prince dans l'époque. À peine l'ESCO partit à exil, l'État saisit Manoir Delaurier et au ou Comme il n'y a pas de liquide de pension, l'ESCO voyait plusieurs lettres, plusieurs messages par le président estimé pour exposer la situation, Emendel envoyer l'agent loyer pour lui. Estimé pas de jamais me l'ESCO. C'est Paul Magloire, l'Elvin président, qui a fini par liquider Pension l'ESCO. L'ESCO est retourné en Haïti en octobre 1956. L'Ital vive la boule, côté le Témouri le 21 octobre 1974, à l'âge de 90 ans. L'ibon pour nous connaît que c'est l'ESCO qui a créé l'université d'Haïti, ensemble avec la faculté d'ethnologie. C'est sous l'Esco, centre d'art tel ouvrit Port-au-Prince, qui prend la cause tout go-élan que la peinture haïtienne le prend. Et c'est encore sous l'Esco, Yon Blanc qui t'a les franc Lobac, qui tape travaillé dans l'ambassade américaine Port-au-Prince, t'es publié Yon méthode sous façon pour écrire créole. L'esco t'a Bâti ont cité la fossette au Cap. Il ont rapporté que les t'a fait la Chambre passer plusieurs bonnes lois. Parmi les lois yo yon, yon loi qui mettait un franc naturel sous même pied d'égalité avec un franc légitime. Pour chaque garder a des affaires séparer bien héritage, les papas ont mouru. D'après l'histoire, les scots qui ont été considérés n'ont pas au printemps comme mulats province, ils réservés réservé tout bon job dans le gouvernement pour les griffes et les mulâtres. C'est ça que la cause, après les scots tombés, il y a un mouvement tout neuf fois a déclenché dans le pays hier, que vous pu régler la révolution de 1946. Pour fini question que nous avons posée, est-ce que vraiment en Haïti, il une révolution en 1946? Nous arrivons en finissement de la première édition, volume 7. Qu'on y a nous pour un volume 8 qui sont l'autre enregistrement. Côté, nous louer oui, la révolution de 1946, gouvernement Léon Marseille estimé, gouvernement Paul-Eugène Magloire, et comme ça, nous continuer le grand pèlerinage que nous avons fait ensemble dans l'histoire pays d'Haïti. Encore une autre fois, songez bien que c'est seul général d'histoire qui cap permettre nous juger anciens dirigeants faites nous revivre tout les événement qui était passé dans tant longtemps. Forcez nous mettre tête nous ensemble et we ça nous doit fait pour nous sauver belle Haïti, chérie